Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue ici à Bombella Stadium de Nelspruit, qui sera dans quelques instants le théâtre d'une âpre explication entre Nigérians et Zambiens. Les deux équipes n'ont plus trop droit à l'erreur car ayant fait match nul contre leurs adversaires lors du premier match, le Nigeria qui s'était fait tenir en échec par les étalons du Burkina Faso, vous vous souvenez de ce but d'Alain Traoré à la 95e minute, et les Zambiens qui jouant à 11 contre 10 Éthiopiens s'étaient fait rejoindre au score. Aujourd'hui, les deux équipes qui sont les deux meilleures de cette poule K ayant déjà remporté au moins une fois ce trophée n'ont plus droit à l'erreur. Il va donc falloir que les Zambiens, s'ils veulent aller au second tour, battent déjà le Nigeria aujourd'hui, ou si le Nigeria... Si le Nigeria veut aller au second tour, permettez-moi, qu'il batte aujourd'hui la Zambie, ça va être donc une explication très très chaude que nous vous prions de suivre avec nous. Après le premier match de cette poule C ici à Nelspruit à Bombella Stadium, qui a vu Nigérians et Zambiens se neutraliser, un but partout, nous allons assister au second match qui va opposer les étalons du Burkina Faso à l'Éthiopie. Peut-être une de ces deux équipes prendra la tête de cette poule aujourd'hui. Si les étalons venaient à battre les Éthiopiens, ils auraient 4 points et prendraient provisoirement la tête de cette poule. Si c'était le contraire, ce sont les Éthiopiens qui s'installeraient à la tête du groupe C. Mais pour le savoir, As English says, comme les Anglais disent ici ou bien les Sud-Africains, we have to wait the end of the game to see this game. We have to follow and suivre ensemble pour rendre hommage à Nelson Monfort. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours, comme vous le savez, au stade Bombella de Nesfruit, où le Burkina Faso vient de créer la sensation, la toute première de ce tournoi, en battant l'Éthiopie, tenez-vous bien, par 4 buts à 0. Vous êtes forcément heureux aujourd'hui, dites-nous votre joie. Nous, on est tellement contents, on prie tous les Burkinabés qu'ils ont prié pour nous. On a commencé la prière au Burkina jusqu'à ici. On était unis. On aime le Burkina, on aime notre pays. Aujourd'hui, on est content, on va fêter aujourd'hui. Et le Burkina va fêter, l'Afrique va fêter pour tout. Merci pour tout le monde.